Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fou parce qu'aujourd'hui on va faire une pyjama party. Ah bah justement elle est là. Coucou. Ça va? Ça va, la journée au parc d'attractions s'est super bien passée. Ah oui, parce qu'aujourd'hui Clara, enfin notre demi-sœur et Lily Rose se sont réconciliées enfin parce qu'elles se parlaient plus, ça faisait 6 mois qu'elles se parlaient plus. Enfin. Elles sont allées au parc d'attractions ensemble. Vous avez fait plein d'attractions? Ah oui, vraiment, ça nous a retourné l'estomac. Ouais, et là, c'est un truc de fou. Ce soir, on va faire une giga pyjama party. On a invité plein d'amis de Lily Rose et j'ai acheté plein d'activités. Bah, d'ailleurs, on va aller la voir. Ah non, non, elle se repose là. Ça l'a vraiment retourné. Mais si, on va aller voir Lily Rose. Elle se repose vraiment. Mais si, non, mais je t'ai dit, là, je démarre la vidéo. On va tout expliquer aux abonnés. Il fallait pas la déranger. Mais si, t'inquiète, je vais pas trop la déranger. Là, je sais qu'elle est fatiguée, mais il faut qu'elle se repose pour ce soir. Je te jure qu'elle veut pas. Non, mais t'inquiète. Elle veut être en colère. On va lui présenter la pyjama party. Mais non, elle dort là pour l'instant, faut la laisser se reposer pour la pyjama partie ce soir justement. Attends, mais toi t'es bizarre, tu veux pas que j'aille voir Lily Rose? Mais oui, elle va vraiment être en colère, elle était vraiment pas bien, elle a envie de se reposer. Ouais, attends. Je trouve ça bizarre ta réaction là, Clara. Non, regarde, elle dort. Elle dort? Oui. Elle dort, t'es sûre? Oui. Ouais, ça me paraît bizarre, c'est pas du genre de Lily Rose, même quand elle est fatiguée. Lily Rose? Lily Rose, tu dors? Lily Rose? Elle est dans son lit? Oui, regarde, elle dort, on voit ses cheveux. On voit ses cheveux, non mais qu'est-ce que... Non mais là je vois ton visage, il se passe un truc bizarre. Non, vite, viens. Non mais il s'est rien passé de mal au parc d'attractions. Pas du tout. Vous êtes pas fait la tête, etc. Non, pas du tout, c'est pas dans nos habitudes. Ouais bah si, pendant 6 mois vous vous êtes fait la tête, vous vous parliez plus, etc. Lily Rose? Ah c'est vrai, elle est dans son lit. Regardez, on voit ses cheveux dépassés là. Elle est... mais c'est bizarre, elle bouge vraiment pas là. Mais oui, elle dort, elle est vraiment KO. Ok, bon. Bon, je te crois, je la laisse dormir une heure parce que, bon, les amis, moi j'ai encore plein de trucs à préparer pour la pyjama partie. On a commandé un château gonflable qu'on va mettre dans le jardin. On a même des invités mystères, vous allez voir. Peppa Pink! Trop hâte de faire cette soirée. Peppa Pink, qu'est-ce que tu fais? Écoute, Valentin, t'as intérêt à me le rendre. Qu'est-ce qui se passe? Il essaie de me voler mon téléphone, gars. Non, mais arrêtez. J'en ai assez. Non, arrêtez de vous disputer. Oh, je t'avais prêté le mien tout à l'heure. Arrêtez de vous disputer là. J'étais en train de préparer la pyjama party, va falloir m'aider parce qu'il y a encore plein de trucs à faire. C'est pas terminé ça? Mais non, il y a le château gonflable qui arrive, il y a la machine à popcorn. J'avais terminé de gonfler les ballons là. Bon, Lily Rose, c'est bon, avec tout le bruit qu'on a fait, elle doit être réveillée. Non, je pense pas, elle avait pas l'air. Allez, bon, allez. Ah non, Clara, ça va? Ouais, bah Clara, ça s'est super bien passé au parc d'attractions. Oui, ça c'était trop bien. Bon, Lily Rose, tous les manèges possibles. Avec tout le bruit que vous avez fait, vous avez dû la réveiller. Elle est au lit, Lily Rose. Lily Rose, c'est bizarre. Attends, c'est quoi ça? C'est pas ses cheveux. Vous êtes allé chez le coiffeur? Montre-moi ça. Non, mais Clara, t'es allé chez le coiffeur avec Lily Rose. Elle a changé de coupe de cheveux. Elle a changé de coupe de cheveux. T'en n'importe quoi. Lily Rose, ça va? Lily Rose, ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Esteban? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Des bêtises là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Clara, qu'est-ce que t'as fait? Attends. Peppa Pig, viens. Non, avant de dire quoi que ce soit là. Regarde, Non, mais. Ah! Mais c'est une perruque avec un mannequin? Avec un mannequin gonflable? Oh non! Alors là, Clara, il va falloir se justifier. Vas-y, bon, apparemment. Non, là, où est Lily Rose? T'as perdu Lily Rose? Je l'ai perdue au parc d'attractions. Elle me tenait plus la main, elle est partie. Et tu l'as signalé à qui? Au parc d'attractions, il la cherche là. Et t'es parti sans elle du coup? Bah fallait bien que je revienne ici pour vous le dire. Non mais tu comptais nous le dire quand? Bah après que t'aies tout préparé pour la pyjama party. Non mais on a besoin de Lily Rose pour la pyjama party. Il y a 15 personnes qui viennent ce soir. J'ai loué un château gonflable, etc. C'est Lily Rose ou pas? Attends. Non, c'est pas Lily Rose, vas-y, sinon il y a son nom qui apparaîtrait sur l'écran. Elle doit être au parc d'attractions encore. Ok, bon, là je crois pas, à mon avis c'est un prank. Attends, ouais. À mon avis elle est en train de nous faire un prank, j'y crois pas. Bon, on fouille tous la maison. Peppa Pink, fouille l'étage. Appelle-la directement. Non, Peppa Pink, fouille l'étage. Moi je vais fouiller le sous-sol, les amis, là j'y crois pas. À mon avis il y a Clara et Lily Rose qui nous font un prank. Elles se sont réconciliées, maintenant elles s'entendent bien. Elles vont me faire un petit prank. J'espère que c'est un prank. Allez vite. J'ai pas envie de jouer à cache-cache en plus. Avec Clara elle nous suit en plus. Bizarrement là tu nous suis hein. Bah oui mais à mon avis c'est parce que tu veux te moquer de nous. Lily Rose. Mais elle est pas ici. Lily Rose. Lily Rose. Elle s'est enfuie.
Elle est perdue, non mais... Allez, Lily Rose, là, ça suffit la blague. Je dois tout organiser pour la pyjama party. J'ai pas le temps. Lily Rose. Lily Rose. Je commence à vraiment douter. Ça tombe, elle est vraiment plus là. Qu'est-ce que t'as fait, Clara? Mais rien, je te promets. T'es sûre? Oui. Je trouve sa réaction... Sa réaction, elle est bizarre. Ouais, ça se voit. Bon, j'ai un truc à vous avouer. Quoi? En fait, on s'est disputé encore une fois avec Lily Rose et du coup, je l'ai laissée sur une aire de repos, à l'autoroute. C'est une blague! Mais non, mais c'est pas possible! Mais... Attends, tu l'as laissée sur la route? Oui. Tu l'as laissée sur une aire de repos? Oui. Mais on s'est vraiment trop disputé. C'est une blague. Mais donc c'est dangereux en plus. Lily Rose, vous êtes arrêtée pour faire une pause en voiture. Oui, et toi ça. Tu l'as laissée comme ça sur... Mais oui, elle m'a rendu trop colère. Non mais qu'est-ce que c'est que ce... Non mais oh, quand on va dire ça à Peppa Pink. Désolée. Ah, c'est énervé là. Mais et tu lui as laissé son téléphone au moins? Oui, il était dans les toilettes de l'aire de repos. Oh, ça tombe, elle a plus de batterie. Oh, ça tombe, elle est toute seule comme ça. On sait pas où c'était sur l'aire de repos de quelle ville. Oh là. Je sais plus du tout. Là, il faut c'était loin, un peu. Il faut annoncer ça à Peppa Pig. Il faut annoncer ça à Peppa Pig. Arrête de parler comme un bébé, là. Là, c'est vrai qu'en même temps, t'as fait une grosse bêtise de bébé, de faire ça comme ça. Vous vous rendez compte, les amis? Lily Rose, elle va être terrifiée. Et moi, qui ai tout organisé pour ce soir, Peppa Pig. Lily Rose, non, elle est pas là. J'ai regardé dans les armes. Non, attends, on peut dire quelque chose. Comment dépêche-toi, ça viens. Tu sais où elle est? Clara a fait une grosse bêtise. Bah, de toute façon, elle va te le dire elle-même. Hein. Je pense qu'elle a pas besoin de nous pour se justifier. Ici. Allez, tu peux dire ce que t'as fait. Mets-toi dans le coin. Au coin. Oh là là, j'ai peur du pire. Avec Lily Rose, on s'est disputé et du coup, je l'ai laissée sur une aire de repos. Oh non. Et où ça? Loin? Ah bah, elle sait pas où. Bon, écoute, t'as le permis de toute façon? Bah oui, si elle conduisait, elle a le permis. Écoute, mais non, c'est pas où c'est. Bah tu vas, tu prends la voiture et puis tu vas. Ah non, on s'est embrouillé, j'ai pas envie d'y aller. Non, mais là, vous allez arrêter vos chamailleries. Bon, mais les amis, je vais essayer d'appeler Lily Rose. Parce que j'espère qu'elle a encore de la batterie. Ah, visiblement, elle était connectée. Elle était connectée sur Snapchat, donc à mon avis... Aussi. Bah non, mais pas en même temps. Allô? Allô? Oh, ça sonne pas. On dirait... Allô, c'est tombé, elle a même pas internet là où elle est. Ah bah sûrement. Bah oui, c'est en pleine... dans la campagne. C'est en pleine campagne, c'est tombé. Bon, on fait quoi? Bah faut qu'on aille la chercher, avec Clara, on va aller la chercher les amis. On n'a pas le choix, on a trop organisé et puis on va pas la faire dormir dehors comme ça. Oui, bon, c'est vrai. Mais bon. Ouais. Franchement, allez. Bon, allez. Ah bah tiens, elle m'a envoyé un message. Elle me dit je suis à Charleville-Mézières. C'est une blague. C'est où ça? Mais c'est super C'est super loin. Bah le parc d'attractions il était très très loin. Mais c'est à Charleville-Mézières, mais c'est à 3 heures de route au moins. Il y a 3 heures de route, mais comment ça se fait? Oh, mais je sais pas. Parce que, attends, parc que vous avez? Non mais c'est pas grave, allez, on va à Charleville-Mézières là. De toute façon, je compte sur toi pour organiser la pyjama partie. T'inquiète, je vais tout monter. Vous aussi, vous organisez tout, vous faites tout de A à Z, nous on y va tout de suite. Allez c'est parti. Bon les amis, on y va. J'espère qu'on va retrouver Lily Rose. Bah ouais, le temps d'y aller, le temps de revenir dans 6 heures. Tout pile pour le début de la pyjama partie. Faut pas qu'elle bouge. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. Il y aura peut-être un épisode 2 sur quand on va chercher Lily Rose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout cliquez sur une vidéo qui apparaît sur le côté de votre écran pour continuer à suivre nos aventures dès maintenant, dès après cette vidéo. Et à la prochaine, ciao. Ciao. Oh là là.